Bonjour à tous. La dernière arrivée à Toulouse, en 2008, avait couronné Mark Cavendish. Eh bien, il est fort probable de voir à nouveau un pur sprinter lever les bras dans la ville rose, compte tenu du parcours proposé cette année. Les coureurs viennent de s'élancer et ça attaque déjà. Bon les gars, il ne devrait pas y avoir trop de surprises aujourd'hui. Même s'il y a des petites bosses, elles n'ont pas de quoi effrayer les sprinteurs. Ça devrait se terminer au sprint. Attention, il ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. C'est le mieux placé au général dans l'échappée. Ça a l'air bien parti. Vous avez passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Tentative de contre-attaque. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Allez les gars, courage! La prochaine difficulté est répertoriée en quatrième catégorie. Vous êtes à 2 km du grimpeur. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée.
l'échappement du dernier grimpeur. Attention, on ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Les adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. Allez les gars! Bravo les gars! Continuez, on continue les gars! Allez!
Le peloton a une trentaine de retard sur vous. Vous êtes à 2 km du grimpeur. C'est le mieux placé au général dans l'échappée. Allez les gars, courage! Le peloton est maintenant pointé à une minute. Une dernière côte est encore au programme. Classé en quatrième catégorie, il y aura un point pour le classement du maillot à poids. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Voilà le classement du dernier grimpeur. Une minute trente de retard pour le peloton sur la tête de course. On continue. Allez, allez, allez. Allez, les gars. Allez, les gars. Allez. Allez, les gars. Courage. Allez, on lâche rien. Thank you.
Allez. Kilomètres, vous allez avoir du mal à aller au bout. Vous avez 30 secondes sur le peloton. Il essaye de partir en contre. Celui-là, il essaye de piéger les sprinteurs. Il essaye de partir en contre. Il attaque. On doit aller le chercher. Il est dangereux pour nous. Il sort en costaud. Attention, il ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Alpi Toulouse. Fernando Gaviria. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Richie Port. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de ce Tour de France. John Degenkolb. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore.